À son âge, un homme change énormément. Lui n'est pas un ami, José. Nous allons voir aussitôt de quelle manière Patrick réussit à cracher. Tell me how you like it, Daddy. Don't call me Daddy. On va atteindre les 1000 prises des murs de la ville. Oh la vache, wow. Putain, on aura bien rodé là cette intro. Messieurs, bonjour. Salut Fausto. Oh, salut, bonjour. Christophe, comment vas-tu? Ça va mieux. De retour. Bien, j'ai été greffé d'un rein que j'attendais depuis 3 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que ce ton étrange? C'est un ton, c'est pas comme si j'avais répété cette phrase dans ma tête, c'est bizarre. Ouais. Donc j'ai 3 reins, mais voilà, j'ai 3 reins, donc je suis supérieur à vous, puisque j'ai 1 rein de plus que vous. J'ai 2 vieux et 1 neuf. Et tu as des super pouvoirs. Et j'ai des super pouvoirs, je peux faire parler Fausto sur le sujet de ce bistrot. Oh putain, c'est vrai que je me sens d'un coup possédé par Christophe Lemaire. Tu avais tout oublié maintenant. J'ai tout oublié, je vous annonce le sujet du bistrot. Ah. Qui est un bistrot dédié aux cinéphiles, cinéastes, cinéastes, cinéphiles, on ne sait jamais trop quel est le bon ordre, Quentin Tarantino, et le bistrot du bis, le bistrot de l'horreur, le bistrot du B, s'intitule aujourd'hui le vidéoclub de Quentin Tarantino. Puisqu'il a travaillé dans un vidéoclub, il n'était pas tenancier à proprement parler, il a bossé dedans, si je ne m'abuse, tu sais un petit peu, parce que tu as habité Los Angeles, donc oui, il y a donc une expertise oui, de la ville. Oui. Quentin, c'est un enfant de la balle, il n'a pas fait d'école de cinéma. Il n'a pas fait UCLA ou USC, qui sont les écoles de cinéma, où des types comme Lucas, Milius et d'autres sont passés dans les années... Tout le nouvel Hollywood, notamment. Tout le nouvel Hollywood est passé par là, dans les années 70. Non, lui, en fin de compte, c'était un cinéphile fou. Et il s'est fait sa cinémathèque, sa culture cinéma, via la VHS à l'époque. Et la télé aussi, puisqu'il a beaucoup consommé de télé. Et les salles de quartier, évidemment. Et les salles de quartier, mais il s'est pointé un jour à Manhattan Beach, dans le sud de Los Angeles, là, ce qu'on appelle la South Bay. C'est là où ils avaient déménagé avec sa mère, il venait du Tennessee. On disait tout à l'heure qu'il nourrissait un peu la légende du « ma mère est à moitié Cherokee », genre comme Burt Kennedy, comme Burt Reynolds dans... Ce sera un peu plus tard, Burt Kennedy. En fait, ils sont arrivés, je crois, il avait 4 ans à Los Angeles. Et un jour, il s'est pointé, il avait, je crois, 17-18 ans, il s'est pointé à Video Archives, hein, chez Lance Lawson, il s'appelait. Et d'ailleurs, il utilisait le prénom Lance dans plusieurs de ses films pour lui rendre hommage, qui était le patron de Video Archives, et qui lui a dit « Ok, je te prends 4 $ de l'heure. Et surtout, tu peux sortir toutes les cassettes que tu veux. » Et il est resté travailler... à Video Archives pendant 3-4 ans. Hein. Et puis ensuite, il s'est mis à écrire des scénarios, notamment les scénarios de True Romance, où on retrouve un personnage, le héros, Clarence, qui travaille dans une boutique de, non pas de vidéo, mais dans une boutique de BD, de comics, et qui a des réflexions que, je pense, Tarantino, accompagné de Roger Avary, puisqu'ils se sont rencontrés là-bas. Et Lance, le patron, avait à l'époque, faisait des concours, des festivals aussi, des paris. Est-ce que tu arriveras à louer un Louis Malle à quelqu'un qui est venu chercher un Tony Scott? J'ai fait ça, moi, quand j'étais en vidéoclub. Bah, tu as fait ça aussi? J'ai fait ça. On faisait un pari avec le collègue avec qui je bossais. On se bandait les yeux. Chaque matin, il y en a un de nous deux qui se bandait les yeux. On cherchait, on prenait une vidéo au hasard. Et quelle que soit la vidéo, il fallait la sortir le plus de fois dans la semaine. Et des fois, on tombait sur des pornos. Vous avez quelque chose à me conseiller? Une petite dame, une petite voisine qui venait avec son caniche nain. Et je cherchais un Jean Giraud. Vidéoclub dans lequel je bossais au moment où Tarantino devait bosser dans le sien. À la même époque.
au début des années 80. Super ambiance. Est-ce à dire que tu pensais être une sorte de Tarantino français? Mais nous, à Starfix, on allait voir les mêmes films. On allait voir les mêmes films. Que Tarantino allait voir de l'autre côté de l'Atlantique à cette époque. Quoi. Oui, on est vraiment la même génération. Ouais, et je pense qu'on a eu la même culture du cinéma. Exactement. Nous, on était en province, donc on n'avait pas forcément une culture de cinémathèque, qui était une culture d'étudiants en cinéma parisien. Donc nous, on a découvert le cinéma... À travers les petits cinémas de quartier de province. Les petits cinémas de quartier de province. Puisqu'en province, il y avait énormément de salles. Et toi, parisien, bien sûr. Donc, voilà, ça a formé. Ça, c'est le socle, ça, c'est vraiment le socle de sa cinéphilie. Ouais. Enfin, ce qui est intéressant chez Tarantino, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce de quasi de non-classification des films, en réalité. C'est-à-dire, on va mettre sur le même plan toute l'histoire du cinéma. Son grand truc, c'est justement de passer à des films, on va dire, un petit peu plus classiques. Tu parlais de Louis Malle, par exemple, à quelques obscures productions de Hong Kong, passer ensuite à du cinéma européen, repasser du cinéma australien, enfin, faire une sorte de voyage comme ça, très personnel dans le cinéma, avec aussi, tu le disais, une culture comics, puisque c'est aussi un grand lecteur de comic books. Alors après, il y a d'ailleurs des références dans ces films. Ce n'est pas le sujet du bistrot du jour, mais... En tout cas, le bistrot a été conçu comme un voyage justement à travers les films qui pourraient constituer la liste des longs-métrages préférés de Tarantino de tous les temps. Il y a certains longs-métrages qui figurent dans ce bistrot-là, qu'il a d'ailleurs parfois nommé comme étant le film qu'il a préféré cette année-là. On y reviendra un petit peu plus tard avec un long-métrage qui te concerne un peu plus directement. On va commencer par les États-Unis avec le film The Lady in Red, qui date de 1978, si je ne m'abuse, ou 79 plutôt, film de Lee Wistig, un véritable artisan, scénarisé par John Sayles et produit par Lee Corman, en fait. Surtout produit par Julie Corman. Je Corman. Pense que ça compte. Sur le côté féminin. On parle très très souvent de Roger dans ses bistrots. Parlons de Julie un peu. Mais on oublie souvent Gene Corman, son frère. Et Julie, sa femme, qui ont produit des films tout à fait étonnants aussi, parfois en cavalier seul, quoi, sans Roger. Donc, c'est un film de la New World Pictures, compagnie fondée par Lee Corman, justement. Et celui-ci est produit par Julie Corman. Et ça a son importance, parce qu'on a un personnage féminin, et on voit tout de suite ce qui a dû plaire à Tarantino. Ah oui. On a un personnage féminin, qui d'ailleurs, c'est le titre. Je crois que le film n'a pas eu beaucoup de succès parce que les gens s'attendaient à voir un film sur la prohibition, les gangsters et surtout un gangster fameux des années 30, John Dillinger, puisque le titre et l'intrigue du film s'inspirent de faits réels. Dillinger, grand braqueur de banque, ennemi public numéro 1 dans les années 30, est tombé aux mains du FBI à cause d'une femme en rouge, Lady in Red. Et aussi à cause du cinéma, c'est ça qui est drôle, parce qu'il sortait quand même d'une salle. Il allait voir un film de gangster. En fait. Ouais, tout à fait. C'était un grand cinéma. Donc il y a même un truc un peu méta, si tu veux, dans le fait de se faire aussi piéger par le cinéma. La nana, je ne savais pas, moi, mais elle a existé, en fait. Oui, bien sûr. Anna Sage. C'est ça. Qui s'est fait avoir par une pute. Bah oui, par quelqu'un qui sortait et qui l'accompagnait au cinéma et qui un jour a mis une robe rouge. Pour alors il y a plusieurs théories. Est-ce qu'elle aurait alerté le FBI comme ça ou est-ce que elle l'a mise à son insu? On dit qu'elle aurait accepté le deal pour 10 000 $, qu'elle aurait vendu le fait qu'elle a prévenu les flics et que les flics devaient le cueillir à la sortie du cinéma. Elle dit, on sera en train de voir ce film-là, je ne sais plus si c'est L'Ennemi Public ou Scarface qu'il allait voir, et elle devait avoir 10 000 $. Mais je crois qu'elle a eu, finalement, elle a eu que la moitié. Elle était aussi sur le coup d'une expulsion. Ah oui, parce qu'elle était roumaine. Elle était d'origine roumaine, donc en fait, elle était sur le coup d'une expulsion. C'est d'ailleurs évoqué dans le film. Mais comme tu le dis, tout ça, c'est une toile de fond. C'est-à-dire qu'en réalité, le film peut être un peu piégeux si vous voulez voir justement un film sur la fameuse affaire de la femme en rouge. C'est un spoil, finalement. Plus ou moins. Disons que c'est quelque chose de connu, il y a eu plusieurs livres, en plus les Américains connaissent cette histoire-là, mais c'est le nœud de l'histoire, enfin le cœur de l'histoire, c'est pas la dame en rouge, quoi, en fait. Non, c'est son parcours à elle. C'est son parcours à elle. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme en pleine post-dépression américaine dans les années 30. Exactement. Et là, on a de la broderie au scénario, on a des plus beaux scénars.
écrit là-dessus à l'époque c'est par ce... un type qui est à la fois dans le métier, John Sayers, et qui en même temps est un littéraire, et quelqu'un très cultivé, quelqu'un de très politisé aussi, John Sayers, grand copain de Jonathan Demme. Tout ça, c'est Corman qui brassait tous ces types de personnalités. Parce qu'il avait, il avait écrit son premier scénario, c'était Piranha. Ça, c'est son deuxième. Hein. Donc, il est quand même encore très jeune, John Sayers. Oui, il avait 25 ans. Il est né en 1950, je crois. Ouais, donc là, il avait même pas 30 ans. Oui, c'est ça. Et il s'est mis à écrire des films d'exploitation, en fait. Ah, ouais. Mais il s'est mis à écrire de l'exploitation avec une sensibilité d'artiste et de type touché par... c'est quelqu'un qui aime le social, John Sayers. D'ailleurs, il a ensuite été réal et il a fait beaucoup de films. Il nous a un peu déçus parce qu'on aurait aimé qu'il continue dans cette veine. Il était trop Sundance. Le génie de Sayers, c'était qu'il était à la fois d'exploitation et en même temps auteur. Et il y a eu 3-4 films qu'il a plutôt fait pour les autres, d'ailleurs qu'il a écrit pour les autres, qui ont maintenu ça. Qui sont Hurlement, Piranha, Lady in Red, et puis Alligator aussi. L'incroyable Alligator. Incroyable de son prénom. De Lewis Stig aussi. Et là, ce qui saute aux yeux, j'ai revu le film très très récemment, dès les premières séquences, c'est l'incroyable attention au personnage, au ressenti d'une époque. On a l'impression que les gens ne porte pas de costume, mais vive cette époque. C'était là. Pourtant, le film, il est pas si ancien, il est de 79. Ouais. Mais on dirait un film du début des années 70, hein, à l'époque où il y avait encore des décors dans leur jus. C'est-à-dire qu'on sortait un peu Los Angeles, des vieux tacos, des vieux trucs. Que Corman avait déjà fait, puisqu'il avait déjà fait des films de gangsters d'époque. Bien sûr, évidemment. Notamment avec Shelley Winters. Comment ça s'appelait? Mitraillette Kelly aussi. Mitraillette Kelly, ouais. Et puis le... Bah, c'était pas d'après Ma Barker. C'est ça. Comment elle s'appelait? Bloody Mama. Avec... Shelley Winters. Avec Shelley Winters, De Niro. Et le Scorsese, non? Bertha Bobscar. Et Bertha Bobscar aussi. Ouais, voilà. Qui ressort là dans grande pompe. Mais voilà, si vous voulez voir un film incroyable, méconnu et incroyablement attachant, c'est Lady in Red. Comme Tarantino disait, le film d'exploitation le mieux écrit et le plus ambitieux produit par Roger Corman. Ouais. Donc c'est ce qu'il le dit. Bah, c'est assez juste. Et c'est vrai. C'est assez juste. Donc à chaque fois, on posera la question pour chaque film, mais à votre avis, qu'est-ce qu'est Tarantino là-dedans? Bah déjà, le personnage féministe. Le personnage de la femme, effectivement, femme forte, qui baigne dans un milieu particulièrement hostile et violent et qui va s'en sortir par la force. Et qui surtout n'est jamais présentée comme une victime. Ouais. C'est-à-dire que même quand elle est prostituée. Voilà, même quand elle est prostituée, même quand elle est exploitée dans un atelier de couture, elle reprend toujours en fait le pouvoir, elle reprend toujours possession de son propre corps. Et en définitive, même si elle a ce physique effectivement de brindille, elle n'est jamais cassée par les hommes jusqu'au bout de l'histoire en réalité. Et même quand elle ne peut pas elle-même prendre les armes, elle va se servir d'un personnage pour que... il exécute une tâche fatale à sa place, quoi. Puis il y a un petit clin d'œil à Robert Foster. Tarantino a quand même réactivé totalement la carrière de Robert Foster. Ah oui, puisqu'il est revenu dans Jackie Brown. Jackie Brown. C'est vrai. Et quel rôle en plus Il a ressuscité. Parce que ça aussi, c'est un des multiples pouvoirs de Tarantino, c'est de ressusciter des carrières d'acteurs. Du coup, il est mort. Il y a 2 ans, il y a 1 an même pas. Oui, mais c'était longtemps après Jackie Brown. Mais qu'est-ce qui nous gâche le plaisir? Il est mort. Mais non, un jeu de mots sur ressuscité, c'est pour ça. Tell me how you like it, Daddy. Don't call me Daddy. Don't call me Daddy. Don't tell me how good I am. Just can the act with me, all right? Okay. Start with a back rub. A back rub? Well, it sort of depends. Sometimes I walk straight up to the guy. His long-lost brother, smiling, put my hand out there to shake, you know. Sometimes I just sort of... Oh, God, Jesus, where did that come from? Well, you know, all them guys I hit,
bet you they asked themselves the same question. Bah, cela dit, vous m'avez tendu une belle perche, ou tu m'as tendu une belle perche par rapport au film suivant, puisque je me permets d'accélérer le pas un petit peu. Oui, 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 mais parce que nous pourrions parler pendant des heures de ce film. C'est des films géniaux. Voilà, c'est vrai que c'est l'un des films les plus saillants de ce bistrot. néanmoins, pour parler de personnes mortes ou pas trop, nous pouvons enchaîner avec le film suivant qui tu vois de quel film je parle. Non, je fais exprès de pas réfléchir pour avoir la surprise. D'accord. Eh bien, c'est quand même le sujet même de Patrick. Ah oui. Ah oui. Nous avons quand même affaire. Bon rôle. Nous avons quand même affaire à un homme légume, ouais. Littéralement, doué de pouvoirs télékinésiques, appelons-les comme ça, dans ce qui est le troisième, je crois, film de Richard Franklin. Ouais, ouais. Le premier connu, en tout cas. Voilà. Le premier connu, ouais, son premier vrai gros succès. Ouais. Peut-être un des. Ça fait partie des films les plus célèbres de ce qu'on appelle la Ausploitation, c'est-à-dire la Ausploitation, voilà, film d'exploitation australien, ou la Ausisploitation, appelons-la comme on veut. Et c'est un film qui a eu un succès assez important à l'international, qui avait gagné un prix à Avoriaz, qui a... Même année que Eraserhead et Fantasme. Tout à fait. Oh merde, Fantasme, mon film préféré. Il avait gagné le grand prix. Et qui a fait 250 000 entrées en France. 250 000 entrées en France. Un peu plus. Patrick. Ouais. Gros succès, ouais. Un succès. C'est un gros succès, assez mérité, je trouve. Pour ce long métrage qui, ce que j'aime chez Richard Franklin pour aborder, pour entrer dans le vif du sujet, c'est vraiment, ce que je trouve le plus intéressant chez lui, c'est sa mise en scène. Et ses premiers films, parce que c'est après. Après, ça se gâte un peu, effectivement, mais cette envie de faire du baroque, de Hitchcockien. Hitchcock, c'était son idole. Il y a vraiment, il y a vraiment ça chez lui. Et alors, dès le début, le mec ouvre les vannes, littéralement. Il y a des idées de plans, il y a cette espèce de séquence qui est un peu le socle dramatique de l'histoire. Avec la baignoire. Avec le personnage de non, pas la baignoire, c'est le lit. C'est le lit, puis avec le truc qui cogne. Voilà, exactement. On voit le personnage de Patrick, c'est-à-dire que c'est la séquence traumatique où on comprend pourquoi ce jeune homme, effectivement, a des problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait bien raison de tuer sa mère et son amant, bien évidemment, mais on a une séquence avec la caméra qui, joue avec le reflet du pied du lit, qui tape contre la cloison, en fait, et qui, du coup, en fait, martèle aussi l'esprit de Patrick. Ouais. C'est un plan que Park Chan-wook reprendra dans Sympathie for Mr. Vengeance, où il y a exactement cette même idée de deux personnages qui sont en train de faire l'amour à côté. Ah, quand ils sont tous ensemble, exactement. Et qui tapent à côté, en fait, avec la cloison et le côté un peu, justement, obsessionnel du bruit et ce que ça peut déclencher chez un personnage. C'est un truc qu'il a repris. Alors peut-être avez-vous lui aussi, Patrick. Il n'y a pas ça dans Marnie, Hitchcock, justement, un truc avec la vitre. Il y a un truc qui cogne sur la vitre. Là, c'est vraiment c'est des personnages qui sont en train de baiser dans la chambre etc. Un truc de. C'est quasiment un plan qui aurait pu être chez Brian De Palma aussi. Il y a des moments de Palmien, puisqu'il y a les mêmes influences. Mais Patrick, en tout cas, c'est un film qui est très baroque, très généreux en termes de mise en scène et qui raconte l'histoire de cet homme qui est dans un état végétatif dans une chambre d'hôpital pendant 1h40. Voilà. Après avoir tué sa mère et son amant, son beau-père. J'aurais aimé jouer ce rôle. Tu n'as pas de dialogue, tu restes dans le lit avec les yeux grands ouverts tout le temps. D'ailleurs, le mec, il a fait que 8 films derrière. Il n'a pas une carrière, là, l'acteur. Que 8, c'est déjà pas mal, en fait, par rapport à ce rôle-là. Il n'aurait pu en faire qu'un seul, en fait, en réalité. Il est bien. Il est inquiétant, quand même. C'est pas évident. Les yeux. Non, mais c'est ça, en fait, en réalité. C'est-à-dire que quand tu vois le film, tu peux te dire qu'il n'y a pas grand-chose à jouer. Alors, géographiquement, enfin, en tout cas, le mec est toujours au même endroit. Mais il faut quand même faire transparaître une sorte d'inquiétude. Enfin, je veux dire, il arrive à être hyper menaçant alors qu'il est vissé à son lit, quoi. Ouais. Et tout le film joue là-dessus. Il a des yeux bleus, hein, très, très clairs. Et qui est pris d'affection par la jeune infirmière. Jeune infirmière. Qui est jouée par Susan P. Allington, qui est une jeune starlette anglaise qui avait joué dans les films fantastiques. Elle joue dans Sixième Continent. Un de tes films préférés. Qu'on avait traité dans le bistrot, d'ailleurs. Dans The Uncanny aussi, elle avait joué dans quelques films d'horreur. Une petite anglaise, une Suzanne... Suzanne Georges Dubus. Oui, exactement. Qui est bien, d'ailleurs. Très bien. Et elle est très bien.
Et très, très bien. Mais c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'à un moment, il se trouve que le film arrive sur les pouvoirs télékinésiques de Patrick, qui fait par exemple fonctionner une machine à écrire à distance pour expliquer ce qu'il veut, etc. Mais ce qui est bien, c'est que c'est qu'en fait, dans un film traditionnel normal, bis B, la nana, elle voit la machine qui commence à écrire toute seule, elle flippe. Mais là, elle flippe pas. Mmh. Elle comprend tout de suite qu'il y a un phénomène télékinésique et que Patrick essaie de lui parler et commence à correspondre via cette machine. Il y a un truc qui est bien dans le film comme ça, c'est que il y a la partie un peu fantastique, paranormale en fait. Et ça marche, mais c'est aussi ça correspond à une époque. Parce que les années 70, c'était vraiment la décennie du paranormal, où il y avait des papiers sur le paranormal partout. Les extraterrestres aussi. Les extraterrestres. Sûr, d'ailleurs, le oui, ça s'appelait Uri Geller. C'était les années 70. Et là, d'ailleurs, le compagnon de Suzanne P. Allington, quand lui dit « De toute façon, je ne vais pas te raconter, parce que tu ne croiras pas ce que je vais te raconter. » Il y croit très vite. Et il y croit très vite. Il dit « Mais oui, mais je te comprends très bien. Moi, j'ai vu des gens s'élever dans les airs. J'ai vu des guérisseurs philippins retirer le cancer à main nue, etc. » Et hop, hop, il fait équipe avec elle tout de suite. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est ce côté paranormal est pris tout de suite en considération par certains personnages. Et voilà, alors que dans un film traditionnel, une série B, un film fantastique... Oui, c'est un film très quotidien. Oui, exactement. C'est très quotidien, que ce soit la vie de l'hôpital, sa chambre, avec le docteur un peu fou, là, joué par Robert Altman, qui est autrefois dans Les Chaussons Rouges et tout, et qui est un ancien danseur. Ouais, formidable. Qui, ça avait marqué, ça bouffe des grenouilles vivantes. Mmh. Alors, ça, c'est un peu ça. Mais ce sont des excentricités presque du quotidien. Tout comme on voit sa vie à elle, en gros, elle cherche un mec, quoi. Elle a des relations compliquées avec les mecs, elle a des soirées où elle s'emmerde, il y a des lourdingues qui tournent dans la piscine et s'exposent en slip de bain. Enfin, il y a ce côté un peu, je dirais pas Annie Girardot, mais il y a ce côté quotidien d'une jeune femme dans une Australie assez beauf, assez pecnaude de l'époque, que Richard Franklin a bien connu parce qu'ils ont fait sous des pseudos quand même, les mecs, quelque chose. Érotique. Ouais, érotique. On a passé à Planète Sexy d'ailleurs, je crois. Ouais, on en a passé un Planète Sexy sur Filmo. Et c'est ça qui est vachement sympa dans le film aussi, c'est qu'il y a une vraie construction du quotidien de cette fille. Donc elle est super chargée, donc elle est super attachante. Hein. Tout ça finalement pour... une espèce de jumpscare gigantesque qui arrive à la fin, qu'on ne révélera pas. Qui est inspiré, sans le dire ce que c'est là où Tarantino intervient, mais ce qu'il dit, c'est inspiré de cette plan, donc on ne racontera pas, pour un effet aussi très court dans Kill Bill, Kill Bill 1 ou 2, je ne sais plus. Il s'est inspiré d'un autre effet aussi qu'on peut révéler, et c'est une très bonne idée de Franklin. Et du scénariste. Fred de Roche, le scénariste génial australien de ces années-là. Ouais. Mais quand tu parlais de John Sayles tout à l'heure et de la capacité justement à donner de l'épaisseur à des personnages et à écrire quelque chose qui finalement finit par être du genre, mais à en sortir progressivement avec des touches justement un peu plus drame quotidien, drame de la vie quotidienne. Là, c'est parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Everett de Roche et qui est le scénariste de la Ausploitation, littéralement. Hein. C'est celui qui a signé les films les plus intéressants. Mais qui est un Américain, il n'est pas Australien. Il s'est installé en Australie. Et c'est lui qui a signé Long Weekend. Long Weekend pour citer le plus célèbre, Razorback. Déviation mortelle, le film d'après de Richard Franklin, qui est formidable. Excellent film. Road movie. Avec Stacy Keach et Jamie Lee Curtis. Et c'est vrai que c'est vachement bien écrit. Mm. Alors que ça repose sur peu de choses. Et autre détail que Tarantino a gardé pour Kill Bill, c'est Patrick, de temps en temps, il crache. Il a juste un réflexe. C'est très léger, hein. Ouais. On peut supposer que quelque chose ne plaît pas. Elle sort soit un molar quand même. Et c'est ce que fait Uma Thurman quand elle est dans le coma au début de Kill Bill. Mm. Juste ce truc de ce léger crachat. C'est une des idées de Patrick Tarantino. Alors donc grand fan de la Ausploitation. Il a participé à ce formidable documentaire que nous vous conseillons de visionner qui s'appelle Not Quite Hollywood. Ouais. Un peu qui raconte... le cinéma australien de la fin des années 70, début 80. Tout à fait. Et Tarantino y participe et explique pourquoi il a adoré Mad Max, Long Weekend, et même des cinéastes plus,
plus méconnus comme Brian Trenchard-Smith. Ouais. Hein, Traqué de l'an 2000. Traqué de l'an 2000, ouais. Traqué de l'an 2000, ou ses films de cascadeurs. Gang de BMX. C'était vraiment l'exploitation australienne. Mm-hmm. Quoi, hein. Et d'ailleurs, je crois que Patrick, contrairement à la plupart des... Je crois que Patrick, oui. Contrairement à la plupart des hautes exploitations de l'époque, était un des films les mieux vendus à l'international. Mm-hmm. Beaucoup plus finalement, je crois, que surtout que les films de Peter Weir, qui étaient plus ambiantiques, étaient plus bizarres. Oui, plus auteur, plus série A en réalité que série B. Et Richard Franklin le dit dans les interviews, il a pris ça en considération. Il disait, je voulais faire aussi un film qui soit commercialement efficace et qui puisse se vendre partout. Donc, et ça a été le cas, d'où la France aussi, où il a eu le prix Avoriaz, effectivement. Et voilà. Il y a eu... Il y a un Patrick Universe, en fait. C'est comme les films Marvel, il y a un Patrick Universe avec une suite. Une suite que tu peux est-ce que vous l'avez vu? Moi, je n'ai pas vu. Oui, il j'ai jamais vu. Patrick Viva Ancora. Voilà. Stills Alive. Mario Landi, qui est un truc de dingue. Je connais juste la musique des Goblins, c'est ça, n'est-ce pas? C'est la musique des Goblins, je crois bien. Patrick, mais joué par un acteur italien, tout maigre et tout gentil, qui est dans un lit, qui a des crises aussi de télékinésie, de spasmophilie, et surtout c'est ultra gore. Ouais, c'est ce que j'ai toujours entendu. Mais c'est bien ça. Il y a un remake aussi, il y a un remake. Il y a un remake, et un remake qui est totalement transparent. Et surtout, il était question que Richard Franklin, peu avant, enfin je ne sais plus quand d'ailleurs, je dis peu avant qu'il meure parce qu'il est décédé. Mais non, il n'y a pas longtemps. Il y a 10 ans, non? Non. Ah non, il est mort il n'y a pas très longtemps. Ah ouais. Et ils envisageaient de faire une suite ou de Patrick. Il ne s'est jamais fait. Ouais. Et donc voilà, si vous voulez connaître un peu plus de la exploitation. Patrick, on peut commencer par Patrick. Ou finir par Patrick. Ou finir par Patrick, quoi. Patrick, vous m'entendez? Patrick, vous allez répondre en faisant encore ce petit bruit. Vous êtes d'accord? Une fois pour oui, deux fois pour non. Compris? Ça veut dire oui, ça? Savez-vous où vous êtes? Et est-ce que vous connaissez mon nom? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous sentez ça? Une minute. Alors, on quitte l'Australie, et là, cette fois, on bascule sur un autre continent, aussi à une autre époque, fin des années 90. On n'est pas très loin de la rétrocession. Je donne donc un indice sur l'endroit où on se trouve, à savoir Hong Kong, avec le film Full Alert, et non pas Full Contact, puisqu'il y a un autre Full aussi. C'est un peu comme les On Fire chez Ringo Lam. Réalisé par le même, Ringo Lam. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre les On Fire et les Full. Exactement. Alors Ringo Lam, c'est un cinéaste, pour raccrocher ça aussi à Tarantino, qui compte énormément dans le parcours de Quentin Tarantino, notamment pour l'emprunt, hommage, plagiat, on peut appeler ça comme on veut, selon effectivement la manière dont on estime le travail de Tarantino, et bien de City on Fire, avec cette citation, hommage comme on veut, justement dans Reservoir Dogs. Alors là, full alert, je vais essayer de ne pas me tromper justement dans les foules. C'est un film qui est, je trouve, particulièrement brillant et déprimant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais sûr. C'est quand même un film qui annonce à la fois la fin d'un cycle, effectivement l'âge d'or du polar hongkongais des années 80-90. Et l'état de la ville de Hong Kong. L'état de la ville de Hong Kong. Et tout ça, en fait, se ressent dans les personnages et dans ce qui les anime. Ouais. Quoi. On a un film qui est quand même, je trouve, d'une tristesse, d'une morbidité et d'une violence assez hallucinante. C'est totalement friedkinien. C'est friedkinien, c'est manien aussi. C'est manien. C'est quand même un remake de Hit. Voilà, c'est vrai. C'est grave. C'est-à-dire une relation très particulière entre un flic et un truand qui joue au chat à la souris pendant 2 heures. C'est vrai, avec une fascination-répulsion. Qui se croisent aussi à un moment assez déterminant et qui se croisent dans les poubelles.
Hein, tout à fait. C'est dire comment Ringo Lam voyait, voyait Hong Kong à l'époque. Ah oui, Hong Kong est montré là, vraiment. Le flic va chercher son gun dans une poubelle. Dans une poubelle pleine de saloperies, de détritus, d'un restaurant. Et donc, oui, ça n'empêche pas qu'il y a des idées qui sont très personnelles aussi. Oui, et que de toute façon, c'était un thème traité depuis longtemps dans le polar hongkongais, qui était les deux visages, le truand, le flic. L'attirance des antagonismes, en fait. Quoi. Donc, Michael Mann, là-dessus, n'a pas non plus tout inventé. Donc, il reprend à son compte un thème développé par Mann. Et puis évidemment, gros hommage à Friedkin, une très belle poursuite de voiture. Ah bah oui, tournée sans autorisation, comme dans French Connection. Et comme dans beaucoup de films de Hong Kong aussi. Et comme dans tous les films de Hong Kong, c'est vrai. Il fallait se pousser. Voilà. Il fallait se pousser. Et en plus, c'est autant chez Friedkin, dans French Connection, on reste quand même plutôt dans la bagnole. Là, il y a des plans carrément vus en plongée, où tu vois toutes les bagnoles. Donc, si c'est autorisé sans autorisation, tu fais... Bah, tu as une utilisation du mobilier urbain aussi, on va dire, qui est toujours assez intéressante dans le cinéma de Hong Kong. C'est la manière de... cette fameuse idée de gestion de l'espace et de la manière dont les personnages à la fois se déplacent dans l'espace et aussi utilisent l'espace pour justement créer une dynamique d'action. Il y a cette scène aussi hallucinante où le flic incarné par Lo Ching-wan essaye de flinguer son antagoniste, le rat incarné par Francis Ng, et il tire sur un pauvre livreur à moto qui dévale un escalier. Voilà, c'est des espèces de séquences comme ça qui parfois des micro-séquences qui peuvent durer, on va dire 3-4 secondes, où on a peur pour la vie du cascadeur qu'on vient juste de voir à l'écran et qui témoigne aussi de cette espèce de fronde et de folie qui infusait tout le cinéma de Hong Kong. Et à chaque fois qu'on revoit ces films-là aujourd'hui, on se dit... Ils s'en fout. On se dit ça et on se dit, moi je me rends compte à quel point en fait ce cinéma-là me manque, son côté dangereux, son côté physique, le fait d'avoir toujours la sensation que les personnages sont tous en sursis, en fait. Ah, bien sûr. Et en fait, on est toujours extrêmement surpris parce qu'on peut s'attacher à un personnage et puis boum, au bout d'une demi-heure, il disparaît. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose de beaucoup plus confortable, notamment dans le cinéma. Comme disait le titre d'un autre film de Hong Kong qu'on va bientôt programmer au bistrot, Expect the Unexpected. Ah oui, super film aussi. Attendez-vous à l'inattendu. Eh bien, c'est ce qui se passe dans Full Alert. Hein. Deux acteurs formidables. J'aime bien ce moins connu. C'est pas des figures comme Chow Yun-fat ou qui était et puis dans les premiers Ringo Lam, parce que évidemment on est là parce que Tarantino a vu le fameux City on Fire qui racontait déjà un antagonisme avec un flic et un truc. Et d'ailleurs, comme dans Reservoir Dogs, un flic qui... Undercover. Hein, et un huis clos. Mais Tarantino l'a toujours avoué très rapidement, en fait. On ne peut pas lui reprocher d'être allé pomper sans citer ses sources. Mais comme disait Sam Fuller, aux États-Unis, on appelle ça plagiat, et en France, on appelle ça hommage. Hommage. J'ai pas pris City on Fire, mais celui-ci, parce que c'est un peu un remake du premier qui s'est fait 10 ans avant, je crois. Hein. City on Fire, c'était... City on Fire, c'était... 87. On était en 80... Ouais, c'est ça, fin des années 80, je dirais 89 peut-être. Et celui-ci, c'est le chant du cygne, oui. C'est le chant du cygne. Des spécialistes m'ont appris que c'était littéralement le dernier polar produit à Hong Kong avant la rétrocession. Oui, mais tu as un tampon, tu as un saut au tout début du film où c'est écrit effectivement, tu as le carton-titre avec écrit Full Alert et tu as un tampon Hong Kong 1997, comme si effectivement le film annonçait clairement et d'emblée que c'était le dernier film produit avant la rétrocession. D'autres vont se tourner, bien sûr, les Johnny To, etc., ça va continuer. Oui, bien sûr. Mais on aura perdu ce que tu évoquais tout à l'heure, qui était cette espèce de rage, d'urgence. Tous les Jackie Chan, déjà. Que ce soit dans la comédie, dans le polar, dans l'aventure, qui était cette espèce d'incroyable énergie que développait le festival, le cinéma de Hong Kong. De Hong Kong à l'époque. D'autant que Ringo Lam revenait de Risque Maximum, là. Hein. Il avait tourné l'année d'avant, justement, en 1996, C'est-à-dire qu'en fait... C'est-à-dire qu'en fait, il le dit, Ringo Lam, c'est qu'il revenait donc à Hong Kong, puisqu'il venait de tourner Rix Maximum, c'est celui de tourner à Nice. Oui, tout à fait. Et avec Jean-Hugues Anglade. Avec Jean-Hugues Anglade. Et Xavier Jeance qui était second assistant. Notre ami Xavier Jeance. Et Ringo Lam disait lui-même, c'est incroyable, ici,
y a des doublures, on prend son temps pour manger. Là, c'est fait bizarre. Et après, il dit retourne à Hong Kong pour faire full alerte. Et là, il fait de nouveau tournage kamikaze. Enfin, dernier tournage kamikaze. Voilà quoi. Donc, il y a vraiment deux façons de faire. Et voilà. Et donc, ce qui est tarantinien, bah oui, on peut dire justement le fameux. Ces fameux truands qui se prennent pour des flics ou ces flics qui se prennent pour des truands. Ça, c'est une des explorations typiques tarantiniennes. Hein. Cette volonté aussi de brefs moments de violence. Je me souviens dans Reservoir Dogs, ce qui était choquant, c'était. On avait des sortes de flashbacks de l'attaque de banque et c'était très brutal, très, très, très rapide, et très urbain. Et là aussi, on retrouve ça. Notamment dans des moments où les types sont obsédés par ce qu'ils ont tué en tant que flic ou en tant que truand. Ils ont tué à un moment. Il y a des images qui leur reviennent comme ça. Il y a des images qui leur reviennent en noir et blanc, très brèves, très, très traumatisantes, où on sent qu'ils vivent avec le cadavre de ceux qu'ils ont tués dans leur quotidien. Quoi. Ils sont toujours là à leur taper sur l'épaule. Donc il y a ce côté-là aussi. Et voilà quoi, c'est juste super. Avec une idée assez inédite, enfin que j'ai jamais vue dans un autre film. Tu parlais de flashback et du fait qu'ils étaient accompagnés par les personnes qu'ils avaient tuées, mais on a droit à un flashback qui, en réalité, précède de très peu de temps ce qui est arrivé au personnage, ou quand le personnage du flic Lo Ching-wan tire. Essaye de tuer le personnage de Francis Ng et rate et flingue au passage un pauvre livreur à moto. En fait, il part à la poursuite quand même du truand. Il essaye quand même de le coincer, malgré le fait qu'il y ait un sacré dommage collatéral au sol. Et en fait, il fait marche arrière parce qu'il y a le flashback en fait, du motard qui tombe dans les escaliers et il se souvient de ce qu'il a fait. Ouais. Et du coup, il arrête en fait de sa course-poursuite et il revient en arrière. Et je me suis dit, c'est assez intéressant d'avoir un flashback qui temporellement est situé si près de l'action, en fait, en réalité, du drame. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on voit un personnage en fait, rétrospectivement, comme ça, réfléchir à ce qu'il a commis comme acte répréhensible et finalement essayer de corriger immédiatement. C'est parce qu'en plus, on trouve la même esthétique des flashbacks qui émaille tout le film, en fait, avec ces espèces d'images un peu sépia, je crois, ou rougeâtre. On a une sorte de filtre comme ça, très, très esthétisant, qui est plaqué. Oui, puis ce goût de la mosaïque narrative qu'a Tarantino aussi, et qui s'amuse à parfois placer... Comme dans Pulp, surtout. En apparence trop tôt, quelque chose qui viendra plus tard, mais alors que ce n'est pas la même chose exactement. Et là, pareil, ça joue aussi beaucoup là-dessus. Donc, c'est une des folies de Tarantino aussi, c'est le cinéma de Hong Kong, quoi. Hein, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Il adore Jackie Chan, il adore Kirk Wong, il adore tous ces gens-là, quoi. Bah, il a clairement participé à la reconnaissance de ces cinéastes-là aux États-Unis, citant à qui mieux en interview, dans des bonus de films divers et variés, en chapeautant des rétrospectives à la Cinémathèque de Los Angeles, enfin en faisant... C'est le tavernier du bis. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Sortez de l'arrière. L'Asie, on reste dans la poudre là, la poudre à canon. La poussière, la sueur et la poudre, comme dirait Dick Richards. Avec le film Un Colt pour trois salopards. Là, pour le coup, scénaristiquement, on retrouve plus facilement des éléments tarantiniens. À fond. Voilà. Film méconnu, mais qui est grandement influencé. Qui est un western britannique. Ouais.
Ce qui peut sembler... Réalisé par un Américain, voilà. Avec un titre de western italien. Ce qui peut sembler un peu curieux, avec une affiche qui ressemble à une affiche de western spaghetti. Ouais. Tournée à Almeria, en Espagne, ouais. À Tabernas. Donc un film qui souffre d'une grave crise d'identité, en fait, en réalité. Mais oui. Ça ne se ressent pas, je trouve. Non, c'est-à-dire qu'on a clairement l'impression de voir soit un film italien, soit une copro italo-espagnole, en fait, en réalité, je trouve. Oui. C'est entre les deux, ouais. C'est entre les deux. C'est, je pense qu'il a... C'est une époque où le western italien cartonnait, était en plein milieu de son âge d'or, et je pense au film... On est en 71, hein. Ouais, enfin, oui. Au début, enfin non, âge d'or quand même, bah, c'est l'année de l'Étouffée Révolution, et je pense que le western américain se spaghettisait, si j'ose dire, quoi de vulgaire. Bien sûr. Mais en même temps, moins que certains... Enfin, c'est entre les deux, en fait. C'est quand même assez américain, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même... Italien, tu trouves ? Bah, disons que je... Prenons la mise en place, par exemple, comme ça, on va raconter l'histoire. Oui, la mise en place, pas le filmage. Le filmage, il n'est pas très... Il n'y a pas de gros plans, il n'y a pas des gens qui transpirent pendant deux plombs. Ben, c'est pas Léon. Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas... C'est Kennedy, hein. C'est un mec... Il y a quelques jets de sang qui sont typiques. Oui. Qui sont un peu... maladroit, je trouve, des fois. Ouais. Il y a quand même un peu paturlurés. Ouais, il y a quand même une complaisance dans la violence. Oui. Et dans le... enfin, en tout cas, la scène d'ouverture, elle ne dépareillerait pas dans un western italien. Avec la séquence du braquage qui tourne mal, avec une sorte de plan un peu baroque où on a un point de vue subjectif du canon du fusil quand il est pointé justement face des gens qui tiennent la banque. Oui, c'est vrai. Et puis après, ce qui précipite le film dans un scénario, je trouve finalement assez spaghetti, c'est cette vengeance. C'est un vrai pas de revanche. Voilà. Oh, bah, c'est un classique, c'est Nevada Smith aussi. Hein. Oui, oui, complètement. De toute façon, si les charognards. Complètement. Prendre un classique du western, c'est la vengeance. Ouais. On a tué mon père, on a tué ma mère, on a tué ma fille, on a tué. Non, sauf que là, c'était le produit vendeur et c'était inédit. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de spaghettes à l'époque où le personnage principal était une femme, très peu. Et là, le coup de... Génie. Pas de génie, mais c'est un... C'est un bon coup marketing, ça va dire. Marketing, quoi. Hein. Et d'ailleurs, le film est produit par le conjoint à l'époque de l'héroïne qui s'appelle donc Raquel Welch, hein, et qui à l'époque était considérée comme étant la plus belle femme du monde. Ce qui n'est pas loin d'être vrai. Ouais, qui était incroyable et qui sortait de gros succès, qui était déjà venu tourner à Almeria. Elle a fait deux westerns avant. C'était quoi Il n'est pas Barquero, non Non, elle n'est pas dans Barquero. Ah non, c'est pas Barquero, c'est celui avec Bertrand. Elle est dans Les Sans Fusils, de Tom Grise, et dans... Ouais. Je ne sais plus, je vais noter. Bandolero. Ouais. Super musique de Jerry Goldsmith, d'ailleurs. Et donc, c'est ça, en fait. C'est son mari qui va trouver ce producteur anglais, Tony Tenser, qui faisait des films plutôt bis, exploitation pour la Tyson. C'est d'ailleurs lui, bon, il avait produit aussi le Répulsion, hein, quand même, et qui était un producteur très intéressant, Tony Tenser, de l'époque, et qui était aussi un homme d'affaires, qui faisait du blé, quoi. Et là, il mettait en avant Raquel Welch. Et c'était Raquel Welch et son poncho. Il y a eu des photos très iconiques. Bien sûr. Parce qu'elle n'a pas grand-chose sur son poncho, il faut le dire aussi. C'est un peu l'intérêt commercial du dispositif vestimentaire. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est elle qui se venge, en fait. Après l'assassinat de son mari et la mise à sac de sa ferme par les fameux salopards en titre. Qui sont joués par trois ordures magnifiques. Le casting du film est hallucinant. Hallucinant, dont les trois, qui sont les hommes couteaux, hein, Jack Elam, Strother Martin et Ernest Borgnine. Et puis après, quand tu vois... Moi, j'ai été traumatisé quand j'étais adolescent parce que je n'avais pas vu le film, en fait. Pourquoi ? Parce que j'étais fan de Télépoche. Donc, je regardais les programmes et je voulais tout voir. Et des fois, il y avait deux films le même soir. Il y avait deux films le même soir. Et après, je me fiais aux étoiles. Il y avait de 1 à 3 étoiles. Oui. Alors après, j'ai vu, je sais plus quel film, qui avait 2 étoiles, et il y avait un col pour 3 salopards, et il y avait marqué 1 étoile. Je dis, 1 étoile, donc c'était le pire, quoi. Et j'ai dit, mais 1 étoile? Alors je regarde, je dis, mais comment il peut y avoir 1 étoile avec un film avec Raquel Welch, Robert Cupp, Christopher Lee, Strother Martin, Jack Elam, le casting de ouf, j'ai dit, réalisé par Burt Kendi, qui faisait des très bons westerns, un peu plutôt public dans les années 60. Oui, des westerns comédiens. Et tu te dis, ouais, exactement. Et elle te dit, mais c'est fou que ce soit mauvais. J'ai regardé l'autre, et après, quand je découvre aujourd'hui un col pour trois salopards, je dis, putain de Télépoche.
enculé. Parce que une étoile. Bah alors, une il étoile, a la rancune tenace, hein, le gars. Hein. Ah, mais je, ça m'a marqué. Ah, je pense qu'ils ont et tout pour simplement ça, été dépassés par la violence du film. Parce que le viol est assez sauvage au début. Bah, ouais, ça passait à 20h30 en prime time. Sur FR3. Effectivement, même si je parlais tout à l'heure de la peinture un peu rouge, un peu vermillon, bah, ça y va quand même. Il y en a Bien sûr. Le film, c'est à la fois sa qualité et puis un peu sa tare. On passe parfois de la comédie à des passages super méchants, super hargneux. Ouais, bah le viol de Raquel Welch quand même. À une relation, alors là c'est ce qui évidemment va marquer Tarantino, c'est la relation que va avoir Raquel Welch, Annie Calder, c'est son nom et c'est le titre original du film. Annie Calder, la relation qu'elle va avoir avec une sorte de chasseur de primes, joué par Robert Culp, qui est un acteur de télé qui était... à l'époque, une idole, les espions. Qui n'a jamais vraiment percé au Cinoche. Mais quand même, il tentait le coup avec lui. Il est formidable. Ouais. Il n'a pas un physique, avec sa barbe bichette, son truc. Voilà, c'est un physique un peu discret, un peu passe-partout. Mais il est formidable. Oui, il joue le rôle d'initiateur, en fait. C'est lui qui va initier Annie Calder au tir, notamment. Ce qui va être déterminant dans, justement, sa quête vengeresse, puisque c'est grâce à ses conseils, jusqu'à la fin, où elle entend justement sa voix, qu'elle va pouvoir mener à bien sa mission et liquider les salopards. Et on croise Christopher Lee. Dans son seul western. Absolument génial. Oui, et il est totalement différent de... Ah, complètement. Il est super sobre. Il est très normal. Il est presque... il a toujours un... Moi, j'adore Christopher Lee, mais il a toujours un petit côté anglais balayé dans le cul quand il jouait. Mais là, il est totalement naturel. Très attachant. Exactement. Il a une nuée d'enfants autour de lui. Il y a sa famille. Et ils sont dans ce décor magnifique sur la plage. Ils ont monté un petit petite maison mexicaine en bord de plage. C'est toujours la même plage, celle où Laurence d'Arabie, c'est la Casa Cabeza de Baca, je crois. C'est quoi la Cabeza de Baca? C'est quoi la Cabeza de Baca? Donc il y a ce décor vachement chouette et donc le film il a quand même vachement de notes différentes. Il y a beaucoup de ruptures de ton, effectivement. Je pense que c'est un peu à l'époque paumé tout le monde. Aujourd'hui surtout télé proche. La preuve c'est que je m'en souviens vraiment. Adore ça. Tarantino il fait que ça. Le mélange de genre. Une scène abominable suivie d'un dialogue de comédie, quoi. C'est-à-dire que quand on commence avec une scène de viol sur Raquel Welch et qu'ensuite on enchaîne avec une séquence où elle va s'acheter de nouveaux vêtements et pour faire rétrécir le pantalon, elle se prend dans une bassine d'eau. C'est génial ce plan. C'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'on n'a pas affaire au même film, mais c'est vrai que tout est construit dramatiquement comme ça, en fait. Et finalement, ça fonctionne puisque je trouve qu'à la fin, il y a quand même un vrai retour d'émotion. Elle essaye de jouer, et ça marche. Même dans le maniement du flingue, parce je la trouve plutôt pas mal. Parce qu'elle avait la réputation d'être la plus belle femme du monde, mais de ne pas être une grande actrice, quoi. Et là, il y a des moments, surtout avec Robert Culp, où elle est très... elle se débarrasse de cette image-là, même s'il y a ce côté encore poncho et tout. Bien sûr. Certes, mais il y a des moments d'intimité avec lui qui sont vraiment bien. Elle a un bon timing de comédie, elle joue très bien. Voilà, c'est un drôle de film méconnu. Alors évidemment Tarantino là-dedans. C'est un film de vengeance de femme. C'est comme il les aime. Alors il dit qu'il a vraiment, il s'est vraiment inspiré de ce film pour la relation entre la mariée dans Kill Bill et Carradine. Sonny Chiba. Tu sais. Bien sûr, le maître sabreur qui lui enseigne l'art du sabre en fait, d'accord. Ça serait ce film qu'il a inspiré pour cette relation très forte. Je pense que tous les films où les femmes se font violer et se vengent, c'est son inspiration pour Kill Bill, en fait. Bah oui. Donc que ce soit ça ou... Le rap and revenge dans son ensemble. Quoi. Voilà. Un genre qu'on a déjà évoqué ici au bistrot. Et qu'on réévoquera probablement. Que nous aimons beaucoup. Voilà. On aime voir les femmes se venger. The reason I take such pains with the outside of a gun is because I've always thought death very unattractive. Mean, rotten things, no getting back at it. Least I can do is add a bit of style. Why the two triggers?
Just a bit of Bailey magic saves using your thumb to cock the hammer. You use your middle finger to pull the lower trigger. The hammer goes back. Now pull the other. Don't ever pull that trigger unless you're aiming at something, even if it's empty. That's your first lesson in firing a gun. Come on. Work from back of here all the time. There's no sense in getting up close yet. Until you're fast. Now, draw the weapon out of the holster slowly and carefully. Now, slow and careful. First comes right, then comes fast. Nous restons dans le western, nous changeons de pays, donc au revoir nos amis britanniques, hein, oui. Et puis bonjour nos amis italo-espagnols, oui. Ou hispano-italiens, je ne sais pas dans quel sens on peut parler. C'est une coproduction en tout cas, comme il y en avait beaucoup, avec la France, avec l'Italie, avec l'Espagne, enfin, c'était le pays de la belle Europe, n'est-ce pas? Enfin, c'était l'époque de la belle Europe. Les paella western, absolument. Voilà, avec... avec un peu de spaghetti là. Un peu de spaghetti, oui. Ouais, léger. Un peu de cubain. Beaucoup de Cubains, surtout. Et c'est, voilà. c'est ce pays-là qui prend le dessus. Parce que c'est le premier western dans la carrière de Thomas Pynchon. Une de nos idoles. Voilà. Ouais. Le film en question, c'est Les Tueurs de l'Ouest, 1966, un film d'Eugenio Martin. Mon maître à penser. Je n'avais jamais vu le film. Moi non plus. Non, je ne connaissais même pas. Voilà, moi ça aussi. Hein. On voit le film, donc c'est grâce à Artus. On n'a pas cité d'éditeur jusqu'à présent. Mais bien sûr. Effectivement, d'ailleurs, tous les films qu'on propose, il y a des gens qui se battent. Spectrum, par exemple, pour Full Alert. Et là, il y a Artus qui déterre ce film-là et qui, en plus, nous le propose dans une copie splendide. L'occasion de voir les premiers pas du beau Thomas Pynchon, du magnétique, du charismatique, de l'animal. Dans pas son premier western. Dans le western. Dans le western. Attends, le premier, je sais pas. Lui, il a commencé chez Mauro Bolognini. Non, alors justement. Il a commencé, c'est drôle. Non, après, à la télé, avant. Il est cubain. Oui, c'est ça. Il est cubain. Il s'est barré à l'Acteur Studio, New York, années 60. Voilà. Hein, avec Marilyn, avec toute la bande. Hein. Si je puis dire. Rimouldingue, Philochard. Philochardine, Rimouldingue, Brandeau. Brando, Monty Cliff. Et Thomas Pynchon. Il fait des gens sobres, délicats, pas du tout paranoïaques ni schizo. Il fait l'Acteur Studio. Ouais. Strasberg dit. Encore que. Voyage. Ouvre-toi. Prendre la vie. Très bien. Il fait quelques petits feuilletons, télé. Ouais. On reviendra à ça tout à l'heure, puisque Tarantino, il aime beaucoup aussi. La télé. Bien sûr. Des années 60. Et ensuite, il se barre en Italie, effectivement, et il fait des films. Des films d'auteur. Ouais, il fait des films d'auteur. Du Bolognini, du Pasolini. Il croise au passage Gérard Blin, Jean-Claude Brialy, tous dans le même emploi. Tout le monde était là-bas dans ces années-là. Jeune premier plus ou moins fade. Ouais. Et donc, voilà à quoi il se destinait. Sauf qu'il est tombé dans le vice. Sauf qu'à un moment, voilà. Deuxième partie des années... Parce que c'est vrai qu'il commence effectivement avec Bolognini. Il fait, je crois, 2-3 films, si je ne m'abuse. Ouais. Attention, son nom est quand même sur l'affiche. Hein, c'est-à-dire que... il n'est pas non plus... Il n'est pas à 10e rôle. Non. Mais c'est vrai qu'après, c'est plutôt, je dirais, deuxième moitié des années 60 où il se bicifie. C'est le début. Et en fait, c'est ça. C'est avec Eugenio Martin. C'est ce film-là qui le popularise. Ouais. Et Colorado. Mais en deux ans, il fait la moitié des chefs-d'œuvre du western italien. Les 66, 67 et un bout de 68. Oui. Il fait, je sais plus. T'as Colorado, le dernier face-à-face, et Tire encore si tu peux. C'est ça. Ouais. Colorado, Tire encore si tu peux, le dernier face-à-face. Tire encore si tu peux, le Questi. Ouais. Ils sont les meilleurs westerns, hormis les Léon, de ces époques-là. C'est fou. Et il développe une persona à lui, qui n'appartient qu'à lui, qui est le cabotinage. Pas encore, c'est vrai. Mais je dirais plutôt la schizophrénie, puisque c'est toujours des personnages doubles. Surtout là, à la fois, bien sûr. Des personnages malheureux, attachants, oubliés, solitaires. Et en même temps, quand ils reprennent du poil de la bête, ils deviennent des
Des tarés. Bah, c'est exactement ça dans Les Pures de l'Ouest. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce film. Et on retrouve ça également dans Beauregard-Bennett dans Le Dernier Face-à-Face. Avec, c'est un petit peu le mouvement inverse, sans vouloir trop révéler. On a un personnage de brigand qui devient presque humaniste. Là, le coup de génie, ça suit finalement les choix de carrière de Thomas Millian. C'est comme si on avait le Thomas Millian qu'on a pris pour quelqu'un d'autre au début de sa carrière, comme un jeune garçon sympa. C'est sa fiancée qui le délivre là, parce que, pour révéler un peu, il est prisonnier, diligence, on va le conduire en prison. Et il repasse par son village d'enfance. Et on dit, mais non, mais c'est pas possible. Ça, c'est un brave gars, il suit une bonne famille, tout ça. On va le mettre en prison, etc. etc. Donc, on le libère. Et en fait, on libère un animal. Ouais, ouais. Et je crois que c'est marrant parce que, pareil, on dit que c'est vraiment celui-ci le premier. Colorado est juste après. Ouais. Juste après, Solima. Ouais. C'est comme si on avait ouvert la cage. Exactement. C'est vrai. Et là, il se lâche. Et la suite de sa carrière va être un festival. Un festival. Mais il y a Mais Bébel à côté, c'est Charles Vanel. Le pinacle étant atteint, non pas dans le western, mais dans le polar. C'est dans le polar que c'est vraiment stratosphérique. Il a fait des spaghettis, des westerns déguisés en brésilien, en Charlie Chaplin. Le blanc et jaune et le noir. Oui. Et Corbucci. Ouais. Il s'est quand même pris dans les années 70 dans la gueule, dans la mesure où il était alors défoncé du matin au soir. Donc toute la période où il se déguise en Chaplin, là, je veux dire, tous les Nico Giraldi, il les a fait sous... C'était la deuxième partie des Poliziotteschi, où il singeait un peu Al Pacino, j'ai revu Serpico, 8 jours Serpico, qui est formidable, où Pacino porte de drôles de chapeaux. Et donc, il va aller très très loin, Thomas Millian. C'est un parcours démentiel de voir ce jeune premier un peu gauche du début des années 60, viré en matatore. Jamais de le revoir dans je ne sais plus quel polar de Lenzi. La rançon de la peur, il est très méchant dedans. Milano Odia qui compose une ordure terrible. Et là, le film part de ça aussi. Parce que là, il nique le jeune premier au niveau du jeu. L'autre qui est un peu transparent quand même. Il est transparent. Tu as l'impression que c'est quasiment fait exprès en fait en réalité. Oui, c'est vrai. Il se fait dévorer vivant. C'est ça. Et réalisé donc par Eugenio Martin. Eugenio Martin, qui est un mec assez incroyable, parce que il a peu de films de lui sont sortis en France. Bon, le plus connu, c'est Les Amateurs de bis, c'est mes films fétiches, c'est Terreur dans Shanghai Express. Ouais. Très chouette film. Mais il a fait quelques westerns, dont moins bien que celui-là, mais quand même pas mal, comme Les Quatre Mercenaires d'El Paso. Il a fait un Pancho Villa aussi, je crois. Pancho Villa avec Teddy Savalas. Et puis ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé sa filmo sur IMDb, et bon, je sais qu'il ne faut pas se fier trop au code d'IMDb, mais dans l'ensemble, il est plutôt bien coté, les notes. Très bon artisan. Quel que soit le... Ça fait partie de ces grands artisans espagnols de cette époque, comme Sassi, tu sais, qui avait fait Les Hommes de Las Vegas, qui avait fait ce petit polar que Tarantino adore aussi, avec Chris Mitchum et Olivia Hussey, qui se passe l'été, où c'est un jeune mec en moto qui... intercepte, je crois, des deals de truands et tout, qui est un film génialissime, et c'était Isassi. Et Isassi, c'était un... alors pareil, c'est comme ces Italiens, tu sais, ces mecs qu'on oublie toujours un peu, l'Alberto De Martino, ces gens-là, qui en fin de compte, on touche à tous les genres. Qui sont des bons. Et un peu qu'une technique à l'américaine. Exactement, c'est ce que j'allais dire, les Tueurs de l'Ouest n'est pas vraiment un western italien. On disait tout à l'heure pour Annie Colder que c'était un mix, enfin que c'était plus italien. Là, pour le coup, c'est un western paella, comme tu dis, mais il est plus américain encore. Parce que le western italien n'est pas encore... est en train d'arriver via le Léon, etc. On n'a pas le baroque encore du western italien. Non, il n'y a pas le baroque. Même la violence, quand il y a des coups de flingue, il n'y a pas de sang. Non. Et du coup, c'est très bien réalisé. Hein. Tu sais où tu es dans le plan, il y a des travelling et tout. Le tout premier plan, avec le cheval. En hauteur d'Almeria. Après, le film lui-même est un peu schizophrène, parce qu'il bascule avec son personnage. Le film devient plus baroque vers la fin. C'est bien parce que ça correspond à ce qui va arriver à cette époque-là après. Exactement. Donc c'est un film charnière aussi. Ouais, exactement. Et pour l'acteur et pour le genre. Ouais. Voilà, vraie découverte. Ah ouais. Bah, pareil, j'ai été. Et alors Tarantino là-dedans?
Alors Tarantino, c'est son 18e film préféré des 20 westerns italiens, des 20 meilleurs westerns italiens de tous les temps, il le met en 18e. Ah ouais. C'est précis, ton information est très précise, bravo. Bravo. Google. Bravo. Bah, Tarantino là-dedans, il a répondu à ta question, tu vois. Comme ça quoi? Le titre du film, le titre du film, c'est donc La Rançon. C'est un titre passe-partout français, là. Les Tueurs de l'Ouest, ça fait film. Les Tueurs de l'Ouest, c'est ça. Les Tueurs de l'Ouest, ouais. Le titre espagnol du film, c'est... Eh, hey, vas-y. Toi qui parles correctement espagnol, je t'attends. El... El paseo del hombre. Qui en gros dit le prix d'un homme. Ah bah voilà. Donc c'est un peu plus... C'est un titre un peu plus poétique et imagé. Ouais. Et le titre américain, c'est The Bounty Killer. Oui, parce que c'est adapté, en fait, d'un bouquin. C'est adapté d'un bouquin... Qui a été plusieurs fois adapté, d'ailleurs. D'un auteur américain qui a fait des westerns, des polars. Pas mal de ces bouquins ont été adaptés au cinéma, etc. Le Diablo de Ralph Nelson, tout ça, c'est lui aussi. Je crois qu'il a fait un autre polar. Il a fait The Don Is Dead. J'adore ce titre. Ah, The Don Is Dead. Ouais. Ah ouais. C'est aussi ce Marvin... Marvin... J'ai oublié son nom aussi. Et donc, Tarantino, en fait, quel est le personnage joué par Rick Dalton dans Il s'inspire dans Hollywood. C'est un bounty killer. D'accord, ouais. Et donc, c'est la fascination que, je pense, Tarantino a à la fois pour ses personnages de tueurs. Michael Madsen ne joue que ça, finalement, dans tous les films de Tarantino, depuis plus de 20 ans. Et là, c'est le personnage de Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, qui est ce petit acteur américain qui joue dans des feuilletons télé de ces années-là, un personnage de chasseur de primes. Ouais. Et qui partira ensuite pour l'Italie. Et qui partira pour l'Italie, faire des à l'image de cet acteur anglais un peu fadasse, hein, qui n'a pas vraiment marqué là-bas. Non. Et de beaucoup d'autres acteurs américains du type Ty Hardin ou George Maris, qui ont fait une petite carrière en Italie et qui sont revenus ensuite... faire de la télé. Faire de la télé, quoi. Ouais. Donc, il y a, ce truc du bounty. Il a dû s'en souvenir quand il a écrit ce personnage pour Leonardo. Pour Léo. Tu vas pas t'en aller comme ça, non? Qui a dit ça? Moi. Ça. Et tiens-toi tranquille. Elfner, tu sais que Chilson a raison. Pourquoi tu veux t'en aller ici? Tu es bien, non? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Gomez. Bon, et maintenant, il me faut partir. Je vais dire, José n'aime pas qu'on en aille parler à un shérif hors de sa présence. Vous me connaissez mal. Moi aussi, j'ai mes ennuis, vous pouvez me croire. Et je n'ai guère de sympathie pour les shérifs. Ah, je sais que t'es régulier, tu es un brave gars, mais je crois qu'il vaut mieux que tu restes ici. Donc, tu sais, je tiens à ma sécurité. Hein, Sagarias? Écoutez, Gomez, personne n'a à me dire ce que je dois faire, ni quand. D'accord. Elfner? Écoute-moi bien. Nous, on préfère que tu restes là. José, tu es fou. Pourquoi tu fais ça? Il n'a rien compris, ni voulu entendre. Assassin. Mais c'est lui qui a tiré le premier. C'est le troisième que tu as tué depuis ton arrivée, José. Depuis que je suis arrivé? Ou depuis que le flic est arrivé? Eh bien, on va rester en Espagne, alors non pas pour l'intrigue ou même la nationalité du film, mais plutôt pour la localisation des décors, puisque je crois qu'on n'est pas loin de Lanzarote. Là, il était tourné justement La Route de Salina, l'avant-dernier film de ce bistrot, un film réalisé par Georges Lautner, un film qui date de 1970 et qui est très à part dans la filmographie de Georges Lautner. Filmographie qu'on associe
pas forcément à Quentin Tarantino par ailleurs, mais ce film-là en particulier, ayant une place dans la carrière de Lautner et dans le cœur de Tarantino, il était tout à fait pertinent de le programmer dans ce bistrot. Oui, parce que Tarantino, il aime tout en fait. Il aime tous les genres. C'est pour ça qu'on s'est forcé de prendre des genres très différents dans ce bistrot. Il aime les films hors genre aussi, c'est-à-dire des films comme La Route de Salida, si tu veux, qui d'une certaine manière n'appartiennent à aucun genre en réalité. Tu vois, c'est un peu la sensation que j'ai quand on. Oui. On dirait un film en tract, un film entre deux films. D'ailleurs, ça fait très film de vacances. Hein. Je dis pas ça contre, hein, mais je crois que sur le tournage. L'ambiance était plutôt très décontractée. Ah oui. Je veux dire, mais si ce n'est plus. Oui, c'était Lautner qui goûtait au trip hippie, quoi. Bah, exactement. C'est ça. Bah, tout à fait. Donc, qui partait avec deux acteurs incroyablement symboliques de cette période. Hippisants, quoi. Bah, Mimsy Farmer, qui venait de faire des films de Barbet Schroeder, qui allait bientôt faire des giallo en Italie, etc. Robert Walker Jr., qui, on l'oublie, était le fils de Robert Walker. Et de Jennifer Jones. et qui venait de faire Easy Rider, qui venait de faire des films de Bikers aussi. Ouais. Qui venait de faire effectivement Attention au Blob. Et aussi des épisodes des Envahisseurs, etc. J'adorais ces films. J'avais une drôle de tête. Bah donc, oui. Un Lautner. Oui. Lautner, mon idole, c'est Marcel Mosulfi. C'est vrai. Il faut que je collectionne. Un Lautner hippie. Un Lautner hippie. Un Lautner qui, finalement, est difficilement étiquetable, si ce n'est que oui, c'est vraiment un film d'ambiance, en réalité. Ah bah, complètement. Oui. Un peu antonionien. Complètement. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Tu cherchais un genre tout à l'heure. Je dirais que c'est un sous-genre du film d'identité perdue des années 70. Bien sûr. Il y a eu ces trucs-là. Hein. Bien sûr. C'est des mecs qui se retrouvaient. Ouais. Bien sûr. Bah, Profession Reporter en est peut-être un des plus célèbres. Hein. Voilà. Je voyais. Oui, effectivement. J'avais l'impression de jouer. J'ai même pas pensé. De jouer à qui est-ce. Ou alors, deviner le titre. Peut-être Jack Nicholson dans Profession Reporter. Voilà. L'idée est très chouette puisque c'est un drifter, c'est-à-dire un mec qui voyage à travers. Ça aussi, c'est des films de. Mm-hmm. C'est un sous-genre, le film de drifter, le mec qui fait du stop et qui va d'un état à l'autre, etc. etc. Et qui arrive au Mexique, parce que c'est censé se passer au Mexique, au Nouveau-Mexique, je ne sais plus. Mais ce qui traverse la frontière, je ne sais plus. Et donc, il arrive chez une femme, jouée par Rita Hayworth, qui est là avec sa fille, dans une espèce de ranch perdu. Une station essence. Ouais. Station essence, etc. Et là, il est censé... elle le reconnaît, en fait. Oui. Lui a très chaud, il veut boire et elle pense. Rita Hayworth le reconnaît. Elle pense revoir son fils. Voilà, qui a disparu depuis 4 ans. Voilà. Qui a disparu depuis. Parti depuis 4 ans. Depuis des années, qui est parti de son, voilà, de son côté. De son plein gré. Et en fait, parce qu'il tombe amoureux de la jeune fille présente, qui est censée être sa sœur. Qui est censée être sa sœur. Qui est censée être sa sœur, Robert Walker dit je vais rester, quoi. Ouais. Après tout, j'ai l'impression de leur faire du bien, ils me font du bien aussi. Ouais, je vais toute ambiguïté, c'est est-ce qu'il est vraiment le frère ou pas quelle est la relation à quelle relation joue-t-il avec Mimsy Farmer Il y a aussi un truc de jalousie de la part de la mère. Bien sûr. Hein. Donc il y a. Ça a coupé au couteau, le Freudien Y a effectivement une double dose d'incestuosité avec la mère d'un côté et puis la sœur de l'autre. Ouais. Mais en même temps... Même temps, c'est bien. Non, mais en même temps, tu le disais, c'est surtout l'ambiance qui prédomine là-dedans. Il a plus fait pour l'ambiance que pour le pitch, on dirait. Alors, il a tourné comme les copains. Il n'a pas pu tourner comme beaucoup de cinéastes européens à l'époque. Aux États-Unis. Donc il a tourné en Espagne, où là c'était sur les îles Canaries en fait. Tout à fait. Avec ce paysage très beau, très volcanique, avec une terre sombre, beaucoup utilisée pour certains films de science-fiction. Tous les films de science-fiction est-allemands allaient se tourner aux îles Canaries. Voilà, ils mettaient un baril jaune. Et ça faisait la planète Mars. Ils marchaient au ralenti, ils étaient sur la planète Mars. Ouais. Et donc là, ça donne vraiment une ambiance très... Ça donne du poids, vacances. Une lourdeur, une aridité, en fait. Puis un truc onirique, à l'atmosphère, en fait. On est presque dans une espèce d'univers indéterminé. Le film est construit en flashback, donc en fait, en réalité, on a toujours cette espèce
d'impression d'assister à quelque chose qui se trouve un peu oui, entre chien et loup, entre rêve et réalité, entre... Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand Lautner décide de lever le mystère sur l'identité du personnage, ça n'arrive pas particulièrement tôt, mais je crois qu'on est à un peu moins d'une heure de film, là, d'une certaine manière, il remet un peu une pièce dans la machine parce qu'on se demande, du coup, ce qui va se passer, en fait. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant, et cette espèce d'univers graphique bizarre de Lanzarote. Un côté un peu film mental aussi. La conscience noire des personnages, tu sais, t'as l'impression d'être dans un cerveau noir, où ils ne savent plus où ils sont paumés, et où ils sont prêts à jouer n'importe quel personnage pour rester en vie, quoi. Mmh. Et il y a dans ce film, qui dit, ambiance hippie, dit une musique De mon homonyme. Et entre autres, c'est Christophe qui a participé. Célébrissime musique, ouais. Pas moi. Alors, il n'était pas seul, il était avec un groupe, ils sont plusieurs. Et il a écrit une musique. Il chante aussi sur la BO. Une musique très très belle, très, très solaire, très. Très westernienne. Et très westernienne aussi. Réutilisée donc. Réutilisée par. Et que Tarantino va réutiliser, dans Kill Bill. Kill Bill, ouais. C'est un hommage parce qu'on sait que Tarantino est aussi un grand amateur puisqu'on peut tous, on peut retrouver tous les titres à la fin sur le générique final. Ouais. C'est un dingue de musique italienne, je dirais des années 60 et 70. Ouais. Dans chaque film de Tarantino, on se retrouve avec des compositions de Morricone, de Cipriani, d'Ortolani. Et là, il a repris. Il a repris une composition de Christophe. D'ailleurs, le film est aujourd'hui plus connu, et surtout connu grâce à la BO, finalement. Parce que... Ouais, c'est un film qui avait longtemps été oublié et planqué, parce que je crois que c'était comme beaucoup de ces films, je crois qu'il y avait une coproduction américaine à l'époque, et c'est des films dont les droits se sont perdus à un moment. C'est une major américaine qui distribuait le film. Et qui s'en foutaient, en fait. Oui, ça arrive assez souvent. Donc, c'est des films qui sont un peu partis. Certains, comme moi, l'ont découvert à la télé à l'époque. Et moi aussi, oui. Hein, ces films étranges qui passaient à la télé. Oui, dans les années 70. À 20h30, c'est vrai. Sur FR3. Bien sûr. Et qui ensuite a été retrouvé récemment. Jean-Baptiste Torrey l'a inclus dans sa collection Make My Day, de ses éditions. DVD Blu-ray. C'est vrai que son invisibilité, couplée à le côté très singulier du film dans la filmographie de Lautner, ont vraiment nourri une sorte d'image de film un peu culte comme ça, qu'il faut avoir vu. Et puis alors après, effectivement, il y a eu la couche Tarantino avec l'emprunt de la BO, mais je me souviens que le film avait été programmé aussi à l'Étrange Festival il y a pas mal d'années de ça, parce que justement, il participait d'une sorte d'aura un peu étrange et que c'était un... C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film inoubliable. C'est juste une rencontre bizarre à un moment entre un cinéaste. C'est un pur produit de son époque. Pareil, Rita Hayworth, je crois que c'est un de ses derniers films. C'est son avant-dernier, parce que son dernier, c'est La colère de Dieu de Ralph Nelson avec Mitchum. Et d'ailleurs, sur le tournage, elle était déjà malade, parce qu'elle avait Alzheimer, donc ça commençait. Et la jeune femme totalement abîmée, qui est partie dans ses pensées, qui revit. Des moments avec son fils qui n'est peut-être pas le bon. Qui court après les fantômes, en fait. Ça aussi, ça résonne assez quand on connaît ce destin, c'est tragique, quoi, d'une actrice qui perd la mémoire et qui peut plus jouer. Elle flippait d'ailleurs, quand on l'a appelée pour venir sur le tournage. Son précédent tournage, qui était je ne sais plus quel film en Europe, s'était très mal passé avec le réalisateur. Donc là, elle est arrivée très méfiante, et puis en fait, ça s'est tellement bien passé qu'à la fin, elle ne voulait plus partir. Et ils sont restés, mais je crois que le tournage était très décontracté, puisque d'ailleurs, la fameuse séquence de cul, entre guillemets, où Robert Walker Jr. sur la plage pour les rassurer, toute l'équipe s'est foutue à poil, Lautner compris. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont tourné cette séquence, tout le monde était à poil pour cette séquence. Olé, olé. C'est une technique reprise par Verhoeven. Dans Starship Troopers, la scène où ils sont tous sous les douches. Ah oui, d'accord. C'est lui-même foutu à poil pour
et ton atmosphère. C'est un classique. Hein. Combien je te dois? Non, 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 pas question. Non, 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 je paie mon verre. Après tout, c'est à ton retour que je vais boire. Le compte y est. Non, non, rien n'a changé. C'est toujours le même tiroir. Là. Tu te souviens? C'est comme ça. C'est bon de l'avoir à nouveau heureuse. Lorsque tu es partie, elle a bien failli devenir folle, sans dire quoi que ce soit et jamais de nouvelles. Tout le monde t'a cru mort, Rocky. La police elle-même a fait une enquête. Maintenant, tu es là. Alors tout va rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas? Toi, t'as dit que tu le ferais un jour sur une production. Bah d'ailleurs, excellente transition, Christophe. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je l'ai fait exprès. Là, tu fais sur le film... le dernier film du bistrot, à savoir Amère, que tu as produit. Oui, ça fait partie de ces rares films dans lesquels j'ai joué. Et quel rôle? Hein, outre les Super 8 gore, pour les années 80. On voit des bouts de non, non, je, au contraire, je m'habille dans Ah bah, t'es plus qu'habillé, oui. Hein, je, on ne doit pas me reconnaître, on doit me... Deviner. On doit deviner et je dois hanter l'héroïne. Hein, et on doit se demander si elle me voit vraiment ou si tout ça est dans son imagination. Voilà. Bah, on fait un bond dans le temps, là, du coup, puisqu'on passe effectivement des années 70 aux années 2000. Mais 70 quand même dans l'esprit. Mais 70 dans l'esprit. Finalement, Amer donc, arrive à la fin de ce bistrot, et sans dire qu'il est la cristallisation de tout ce qu'on a évoqué précédemment, il fait partie néanmoins de ces films qui, à l'instar du travail de Tarantino, ont effectué une digestion, une recréation, une sorte de comment dirais-je, remodélisation. Ouais, de jeu de forme et de motifs. À la fois très référentiel, puisque que ce soit dans le choix de la BO ou même dans certains clins d'œil de mise en scène, sont toujours très personnels en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est peut-être, si on devait faire un point commun entre Amer, effectivement, le cinéma de Tarantino, alors outre le fait, mais je pense que tu es mieux placé que moi pour le savoir, que Tarantino a beaucoup apprécié Amer. Oui, oui. Oui, parce que c'est devenu le top 20 ou le top 10 de Tarantino, devenu une espèce de petit amusement chaque année. C'était en 2009, j'ai l'impression, c'est ça, maintenant. Hein. Il le fait moins récemment, mais chaque année, il sort son top 20 ou son top 10 de ses films préférés de l'année. Et le film de Bruno Forzani et LMKT, Amer, s'est retrouvé dans son top 20 de l'année 2011, je crois. Ah, 2011, sorti pardon. En 2010, et je crois que ça devait être son top 20, ou c'était son top 20 2010 qui paraissait en 2011. Et ça nous a beaucoup flatté déjà, bien sûr, qu'il le retienne. On avait été un petit peu prévenu parce que Eli Roth, le réalisateur Eli Roth, des Hostels et d'un grand pote de Tarantino maintenant depuis des années, et ensemble, ils vont voir des films. Ils étaient allés voir Amer ensemble dans un cinéma qui s'appelle le Sunset Five à Los Angeles. Et ils avaient aimé le film, quoi. Et ça a été confirmé par sa présence dans le top 20 quelques semaines plus tard, en fait. Voilà. Et donc Tarantino fait ça aussi. C'est pas seulement un cinéaste, c'est pas seulement... c'est quelqu'un qui donne envie de voir des films, qui conseille des films, brandit des films. Je crois que cette année-là, oui, on devait être le seul film indépendant européen, parce qu'il prend des blockbusters aussi. Tarantino, il adore Toy Story 2, il adore... il adore Tony Scott, il adore plein de films. Et là, c'était curieux de... Certains films russes aussi, enfin, tout. Et on s'est retrouvés, dans son top 20. Donc c'était super. Oui. Et c'est vrai qu'il y a à la différence peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe, puisque c'est vrai que François étant partie prenante, c'est compliqué finalement de trop le solliciter, mais j'ai quand même la sensation que ce qui justement intéresse Bruno Forzani et Hélène Cattet, au-delà du clin d'œil, de l'hommage à travers une esthétique et à travers la BO, c'est vraiment de garder les formes en fait, et de se servir de ces formes pour... raconter une histoire qui leur est finalement toujours très personnelle en fait, en réalité. C'est-à-dire que bien sûr que c'est du genre, là, c'est du giallo, Du giallo, c'est du thriller à l'italienne, ouais.
Mais en même temps, il y a aussi, tout cet aspect déclaration d'amour à une certaine imagerie, image solaire de la France, cette espèce de, ouais, de mais c'est tourné à... C'est tourné à Menton, dans une villa à Menton, là d'où vient Bruno, et Bruno passait devant cette villa quand il était gamin, quand il avait 14 ans. Bah, on retrouve ce feeling-là, par exemple. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on arrive quand même... C'est-à-dire que le film arrive à nous donner des émotions personnelles alors qu'on a l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'une sorte d'emballage un peu hommageux, alors que le film, finalement, arrive toujours à s'extirper de ça, je trouve. C'est une remémoration, en fait. C'est ça, oui. Comme le cinéma de Tarantino, comme les films de Tarantino sont aussi des remémorations de genres qu'il a adorés. Des genres de gangsters, des films de gangsters, des westerns, des sous-genres comme le Django, c'est pas forcément un western, c'est une remémoration de Mandingo, donc on va bientôt reparler d'ailleurs. Et je crois que c'est de la téléportation, c'est des gens qui veulent se retrouver à une époque qu'ils n'ont pas connue, qu'ils ont visionné certains des films en salle ou en vidéoclub, comme Bruno d'ailleurs, comme Bruno Forzani à l'époque. Lui aussi, il allait au vidéoclub de Menton et il louait des films d'Argento et il découvrait ses sensations. Je pense qu'il veut retrouver ça, mais accroché, comme tu le dis, à des choses très personnelles. C'est un couple aussi qui tourne, donc il y a tout un truc qui... est amusant sur les rapports hommes-femmes, domination. Ça circule dans leur film de manière hyper intéressante. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'ils se tendent la perche, quoi. Tu vois, ils se tendent le fouet. ils se tendent le fouet même. Il y a peut-être ça aussi en commun avec eux. C'est des remémorations, oui. Ils réactivent quelque chose, mais comme ils sont d'aujourd'hui, ils le réactivent avec des choses qui sont d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas. Ce n'est pas des copier-coller, c'est la recréation de sensations d'un cinéma d'avant. Et je crois que Tarantino cherche la même chose. Enfin, son dernier film, ce n'est que ça, c'est l'année 1969. Oui, c'est vrai. On a une actrice qui va dans un cinéma revivre les sensations qu'elle a eues sur le tournage. Magnifique cette séquence. Ouais. Donc, c'est des jeux comme ça de miroir que ces cinéastes qui sont à peu près de la... Je crois que Tarantino, c'est d'ailleurs l'idole d'Hélène et Bruno. C'est bien tombé, cette histoire, hein, franchement. On en parle là, maintenant, avec suffisamment de recul et tout. Mais à l'époque, on était sous le choc, parce que dans la chambre de Bruno Hélène, il y avait un poster en pied de Kill Bill. Enfin, c'est toujours leur idole. Donc, qu'ils voient le film un peu par hasard. Ouais. Dans une salle de cinéma, on n'a pas envoyé de lien, on n'a pas envoyé dans sa ville natale, avec Eli Ross, puis avec Christophe Valls en plus, qui était là et qui étaient potes à l'époque. Et c'était super touchant de voir ce retour, mais s'il n'y a pas... je crois qu'il a reconnu des frères de sang, en fait, des frères et des sœurs de sang en Bruno Hélène, c'est évident. Et ses commentaires, c'était... comment vous avez fait pour retrouver cette sensation du giallo, ces couleurs, ce Super 16, parce que le film était tourné en Super 16, ce Super 16 scope, et ces musiques, les musiques aussi, qui sont des musiques originales. Des BO italiennes. Qui ont été, non pas collées, mais qui ont été utilisées pour re-rêver le giallo qu'ils étaient en train d'écrire, parce qu'ils écrivaient une musique parfois leur inspirait une séquence. On était bien emmerdés avec Eve Comminges, avec qui donc on a produit ce film à l'époque, en 2008. Si on n'avait pas pu obtenir les musiques qu'ils avaient vraiment écoutées pour écrire les scènes, on aurait été bien emmerdés au montage. Heureusement, on a réussi à tout récupérer. Ils sont jamais croisés, Tarantino, Bruno et Hélène? Il les a jamais vus de visu? Je ne pense pas. Non. Et ensuite, c'est vrai qu'on retrouve là, un petit miroir supplémentaire, la musique de Christophe dont on parlait tout à l'heure dans La Route de Salina est également dans le dernier film de Bruno Hélène, Laissez bronzer les cadavres, qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Laissez bronzer les cadavres, et qui est une espèce d'acide western. On évoquait tout à l'heure les westerns dans lesquels va tomber Thomas Millian dans la suite de sa carrière. Tout ça, donc tout ça, c'est des,
Et Eli Ross aussi, je pense, fait partie de cette famille-là. Ouais. J'ai eu du mal pendant un certain temps avec lui. Moi aussi. Et je m'aperçois maintenant, surtout son film de cannibale, là, qui est absolument génial, ouais. C'est Green Inferno, que c'est un authentique adorateur de cinéma. Ouais, c'est pas un poseur. Ouais. Donc, c'est le reproche qu'on fait aussi parfois à Tarantino, c'est de poser, c'est de recréer. Non, et Bruno Allen aussi, mais pas du tout. C'est une récréation très intime de sensations qu'ils ont eues en voyant ces films. Donc c'est des films de cinéastes qui n'ont pas été à l'école, ni les uns ni les autres, mais qui ont découvert le cinéma comme ça, quoi, par sensation, sur une télé, en vidéo, en VHS ou dans une salle de quartier. Hein. Donc ils partagent ça. Bah, c'était bien dit. Hein. Il ne voulait pas parler en fait, d'Amer, finalement. Bah après, c'est super. Non, j'ai pas vu, mais j'aimerais bien le revoir. Amer. Sinon, c'était un chouette souvenir. Et voilà, c'est un film unique. De choses à revoir là avec ce bistrot. Ouais, bistrot riche, mais un personnage riche. Enfin, c'est mon idole. Hein. Je sais pas pour vous, mais voilà, je sais que c'est un personnage. Ça dépend des films. C'est un personnage qui fait beaucoup gloser. Ouais. C'est vrai. Mais moi, je j'adore ce mec. Et des fois, il me piège. Le dernier, voilà, j'étais un peu réluctant à la première vision. Et puis j'ai vu le film 7 fois, 8 fois. Once Upon a Time. C'est un parcours en tout cas très attachant. Et on en fera d'autres vidéoclubs, c'est bien, non? Oui. Parce que c'est un super bon film. Et il faut savoir que maintenant, il a son vidéoclub personnel, puisqu'il a racheté à Los Angeles celui le où cinéma Buffet New Beverly, ouais. Où il ne passe que des copies 35. Ouais. Ouais. Il fait des doubles programmes, tout ça, etc. Il fait des doubles programmes, il fait des festivals. Mm. Donc il retrouve cette ambiance qu'il partageait avec Lance et avec Roger Avary au Video Archives, au New Beverly. Il réimprime les programmes, comme il y a les programmes de l'époque, hein, qui sont des sortes de pavés de presse, si tu veux. Et il vient même souvent présenter des films. Voilà, pas en ce moment. Comment ? Pas en ce moment, j'imagine. Non, ben ça va peut-être reprendre, mais en tout cas, voilà, il continue. Le vidéoclub de Tarantino a une autre forme, mais il est planétaire, grand écran, et cette fois, forme à respecter en 35 mm. On va lui demander qu'il passe Bistrot de l'horreur en 35 mm. Et surtout, nous allons lui envoyer une copie 35 mm d'Amer, puisque le film a été tourné en film Super 16, ensuite gonflé en 35. La post-prod a été faite en numérique, hein, mais il y avait encore, on a encore exploité des bobines 35 à l'époque. Alors. Merci messieurs pour ce bistrot d'une chargé, richesse infinie. Ouais. Du matos, c'est super fil à découvrir. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.